Ça va encore. J'ai connu pire. Hello Chris, tu m'entends? Petit problème. Allô, allô. Alors. Toi va-t'en. Toi va-t'en. Hop. Allô, allô. Voici normalement. Mon Chris, tu parles, mais je t'entends pas. Je vais tester un truc. Bouge pas. Réglage. Bon. Allô, allô? Test. 1, 2, 1, 2. Bon, moi, je sais pas ce qui se passe. Normalement. Normalement ça fonctionne. Bon Christ, je t'entends pas. Je sais pas si c'est moi ou toi. Allô Sylvain, tu m'entends? Oh purée, j'entends rien. Allô, allô. Ah. Ah, ça a l'air mieux là. C'est bon? Oh purée. Vous m'entendez là? Et là, vous m'entendez? Alors, attends. Et là, vous m'entendez? Bon. On va faire comme ça. Ouais, mais en fait, j'arrive pas à régler la sortie multiple. Pour le stream, je voulais le mettre, mais. Ah, alors attends. Périphérique haut-parleur. Hop, si je fais ça. Ouais, avec OBS, mais sur Mac, c'est un peu touchy. Non, c'est toujours pas bon. Vous m'entendez là? Bon, tant pis pour le stream. Ils m'entendront moi, mais pas vous. Ouais, sinon, faut que je mette un deuxième compte.
Ouais, bah. Ouais, c'est une bonne idée, je vais sûrement faire ça. Alors attends. Par contre, ce que je vais faire ça. Ça. Merde. Hop. C'est pas bon site ça. Tu graisses la chaîne quand même de temps en temps. C'est pas bon signe ça, salut Vince. Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Bon, ça va être dur encore ce soir, hein. Moi, je suis un peu dégoûté parce que je comptais faire un CP. Mais dernière fois sur ce parcours, j'ai mis 720 watts de moyenne sur Libby Hill. Autant dire que je battrai pas ça. Il y a quasiment aucune chance là. Je sais même pas comment je fais. Oh, il y en a deux qui vont le faire ce soir. Il y a Alban et Florent Breil. Donc autant dire qu'ils vont être tout devant. Et que bah ça peut être un bon objectif d'essayer de les tenir le plus longtemps possible. Tu viens de mirer là, nos fesses. Elle était toute rouillée, c'est ça? C'est pas bon signe. Ah, tu mets de la cire, non? Ah, c'est bien ce qu'on a entendu. T'étais bien à bloc, c'est bon. Salut Christophe et salut Vincenzo. Ah yes. Ah, ça m'étonne pas, c'était un sacré parcours encore. D'ailleurs, je pense pas qu'on est complètement récupéré là aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai roulé, mais j'ai pas dépassé 100 BPM. Autant dire que c'était vraiment cool. Salut Oli. Oh, j'étais sur Dan Diesel à 100 watts de moyenne. Une heure. Bon, j'ai dépassé un peu. La récup active, mais. Ça faisait un peu comme une marche dehors, quoi. Ouais, ça commence à faire 11 jours. On a passé le cap du surentraînement, là, c'est bon. Cool, bah c'est pas le but. Ah.
Bah, pas après la deuxième. Ah non, bah, la deuxième, c'est un segment aussi, donc. Bah, la première à bloc, après on descend, la deuxième à bloc, et après cool. Ah, on peut pas en meet-up. Salut Thomas! Bonne fête Thomas! Ils sont pas au courant les autres. Oh putain, on est 14! Oh là là! Ça fait du monde ça, c'est cool! Comment ça? Bah nous aussi. Bah ouais, c'est le but. Comme ça, demain repos, week-end tranquille. Lundi repos. Ah ouais, bah c'est pas compatible, ouais. Oh, vous êtes des fous. C'est bon signe ça. Alors non. Vous mettez à combien de pourcents la difficulté? Alors zéro, le problème c'est que c'est plus dur de forcer sur le plat. Et vu que là c'est à peu près constant la montée, ça vaut le coup de monter un peu. Hello Grégoire, hello Laurent. Oh putain, c'est parti déjà là. Allez hein. Donc on a environ 6-7 minutes de tranquille au début. Avant la mort. Bon bah 20 watts, on va pas avancer. Hein. Ouais, ça remonte dès le début là. Mais on est où là? Ah, on est avant la ligne d'arrivée. Non, parce qu'on arrive sur la ligne d'arrivée là. Oh putain, on a Florent qui arrive à 6 watts derrière là. Il va pas rester longtemps derrière. Hello Alban. Bon, les roues à prendre, c'est Alban et Florent. C'est ça. Tant mieux. Tu seras peut-être un peu moins performant. Ça en fait 1890 pour Thomas. Ça va être chaud. Euh, 2500 les tout derniers, je crois. Les Tatax Neo, c'est 2000. Ouais, bah sur piste, les champions olympiques, t'en as qui mettent 2100, 2200 au max. Après sur Zwift, je sais même pas si un mec a déjà mis plus de 2000, je pense pas que les pistards ils s'amusent à faire des courses sur Zwift. Ah, il est parti en chrono, Florent. T'inquiète pas, Flo, il est là ou pas? Non, il est pas là. Oh, il aura le temps de nous rattraper. Ouais, on peut dire ça, ouais.
Là, j'étais avec Coco Cadence tout à l'heure. Je poussais rien du tout et je tenais les roues. Hein. Le draft, il fonctionne vraiment mieux. Pour les meet-up, ça va être sympa. Non, en TTT, par contre, c'est plus dur. Ouais, quand t'es sur une ligne, c'est plus dur. Par contre, quand t'es en peloton, c'est plus simple. Mais comme dehors, en fait. Ils ont bien reproduit le fonctionnement de dehors. Pour ceux qui sont pas échauffés, pensez à faire monter un petit peu le cœur. Hein. Hello Florent. T'es parti en vélo de chrono? Ah. Remarque, ça aurait été une bonne idée pour faire des efforts de plus d'une minute. Hein. Fais le malin, Thomas, fais le malin. Oh, on va tellement souffrir encore là. Mais bon, on a 15 minutes de repos entre chaque session de com. ouais, à part 8 fois. Ah, il y a deux com. Il y a le premier com là de 900 mètres, je crois, un peu plus, je suppose. Ah non, le troisième c'est. Bon, tu peux le faire, hein, mais. On va se reposer la plupart. Si vous avez peur, c'est normal. Tu peux te mettre devant. Ouais. Ouais. Et faut lui parler en italien. Ah non, il n'y a pas de sticky drap, donc pour doubler c'est facile. Par contre, Alban, t'as pas le bon maillot. Hein. Non, ça t'arrête pas le maillot, c'est que le vélo qui t'arrête. Ou si tu vas sur l'écran de couplage. Normalement, si... Yes, Classic 4 il s'appelle maintenant, je crois. Ah non, pas d'accord. Florent, t'as une déco?
Ah ouais, c'est bizarre. Bon, en général, plus t'as de soucis avant le départ, mieux ça se passe au départ. Oh, pas 300, mais pas loin. Oh bordel. Oh putain. Allez, courage à tous, hein. Oh Mika, je suis à plus de 100 watts de mon record. Dégoûté. Allez les gars. Oh putain. Non. Non, non. Non, non. Non, non. On peut. Ah.
Allez. Oh putain, je vais faire un beau pop-corn. Ah, condition physique moins 7 sur Garmin. Au top. Jamais eu autant. Ouais, gris bleu. Ouais, là, la montée, il faut essayer d'être un mini tempo quand même. Après, il y aura plat et descente. Attends, on a Florent qui est en gris là, 3,3 watts kilo. Ah, belle montée la deuxième Alban aussi. Ah, y a Christophe et Sylvain qui sont là. Laurent aussi. On relance pas du tout. Hein. Bon bah la deuxième va bien piquer. Hein. Allez Vint. Ouais, on va rester ensemble les gars. Et tranquille. Hein. Gardez des forces pour les boss surtout.
Oh, c'est peut-être moi. Ça m'étonnerait pas. Il est trop léger en descente, Alban. En fait, si tu vas un peu moins vite, t'es foutu. Si tu vas à la même vitesse, t'as toujours le draft, c'est bon. Mais en descente, c'est dur d'avoir la même vitesse, donc il faut vraiment coller les roues. Bah si, si, le draft, c'est quand t'es dans l'aspiration. Ouais, merci de nous l'indiquer. Ça, tu récupères bien, Sylvain. T'es à 115 là, Sylvain? Putain, je suis à 140 moi. Bon, bah, y a que moi, je crois, qui suis haut. Une 0-3 Alban, ouais. Dernière fois, j'avais fait 58 secondes juste derrière François Passleg. J'avais drafté de bas en haut. J'ai essayé de tenir Alban, mais il a fui. T'avais pas dit s'il gagne, il y a égalité pour l'instant. Il y a égalité pour l'instant. Ouais, c'est les écouteurs. Je disais en délirium, il y a égalité au classement. Ah, bah un point devant alors. Mais c'est pas fini, hein. Faut les mériter les casquettes. Hein. Mais... T'es encore en D d'ailleurs, Vince? T'es le rescapé?
Ah. Il reste plus grand monde. Hein. À 20 h. Ouais. J'ai pris 25 pulses. C'est le stress, ça.
30 secondes, ouais. Oh putain. Y'a plus personne qui parle devant. On est tous morts. Voilà, j'ai surtout envie de m'allonger par terre, moi. J'ai pas envie de bière. Je sais pas vous, mais je sais pas comment vous faites. Ouais.
là, j'étais au max. Ah, yes. Ça, c'est bon, ça. Plus ça va, plus les temps vont diminuer, vont augmenter, je pense. Ah bah, c'est qu'ils se sont pas assez donnés au premier, hein. Ouais. Vous étiez en balade au premier, première montée, oui. Oh, t'as toujours pas pris un tour d'ailleurs, Thomas. Oh, ça va pas tarder, je pense. Deuxième ou premier? Non, premier, tu vas attaquer. J'ai des crampes au bras. Ah oui, c'est mes lunettes d'explorateur. À l'ancienne. Bon, si vous avez des hyper mal aux bras ou aux épaules comme moi, limite des crampes, c'est parce que votre corps a pompé tout le glycogène qu'il y avait dans tout le corps. Donc c'est normal, c'est bon signe. Que... Putain, on n'entend rien avec mon micro. Ça veut dire que votre corps, c'est parce que j'explore, c'est votre corps qui a pompé tout le glycogène de votre corps. Il a été chercher le glycogène dans les muscles des épaules, des bras, de partout. Donc c'est bien parce que ça veut dire que le glycogène, c'est ce qui te permet de faire des efforts aux alentours de PMA. C'est en gros les glucides de ton corps qui sont pompés pour les donner aux muscles, pour les utiliser plutôt rapidement. Quand c'est lentement, ah bah si t'en as plus, tu peux plus faire grand chose. Ton corps il essaie d'en produire avec les lipides de ton corps, mais c'est un process qui demande du temps, qui est assez long. Donc ça va pas être rapide, tu vas pas pouvoir générer des gros watts. Par contre pour faire de l'endurance, c'est bien efficace parce que t'as pas besoin de trop d'énergie. Donc ton corps, il va pomper tes lipides et il peut les utiliser des heures et des heures et des heures. Et par contre, à puissance maximale, quand vous faites un sprint vraiment maximum, normalement vous tenez 5-7 secondes avant que les watts y baissent. Et là, c'est pas le glycogène qui est utilisé, c'est l'ATP. Et ça, ça se recharge super vite, mais ça se dépense super vite. Bah, en 5 secondes, c'est dépensé. ATP. ATP, ouais. Oui, tu vas perdre un peu de poids, mais ça demande quand même du temps. Hein, parce que pour perdre 1 kg, normalement, faut brûler 9000 calories. Ouais. 9000. Non, bah. C'est pour ça que c'est l'alimentation qui joue, c'est pas le sport. Hein. Mais après, ça dépend de ton cardio aussi. Si tu fais un effort hyper violent et qu'après tu fais de la zone bleue, ça se trouve, ton cardio il va être à 160. Donc il va quand même pomper des glucides. Par contre, s'il baisse à 130, bah, tes jambes vont brûler, mais en soi, si ton cardio il est à 120, t'auras juste mal aux jambes, mais t'auras pas besoin d'énormément d'énergie pour pousser. Après, si t'as trop mal aux jambes, c'est que t'as pas assez de repos normalement. Voilà, bah t'as pas assez de repos du tout.
Alors là, c'est un peu d'ATP parce que sur le deuxième sprint, on est un peu au max. Et sinon, c'est beaucoup de glycogène, ouais. Mais ça va te faire bosser la VO2 max un peu parce qu'on a quand même un enchaînement d'efforts sur les deux bosses. Et c'est en gros l'oxygène que tu es capable de pomper et d'envoyer aux muscles, enfin à ton corps. Ouais, c'est cœur, plus utilisation de. Enfin, plus taille des poumons aussi. Capacité pulmonaire et cardio, un peu de tout. Et ça va te faire aussi bosser tes muscles qui vont s'habituer à des efforts supra-maximum que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que vraiment, on donne à bloc. C'est pas comme des intervalles où tu as une puissance constante qui est tenable. Là, l'idée, c'est de chercher la puissance qui est au-delà de ce qui est tenable, enfin vraiment maximum. Et ton corps, ça va le choquer, ça va le stresser. Il va faire un truc qu'il a jamais fait. Et du coup, il va se renforcer pour être capable de moins souffrir et de faire mieux la fois d'après. Ah. Allô, allô. Ouais. Ouais, du coup, là. Là, typiquement, ouais. Même type d'effort ou un peu plus long aussi, il va être sur 2-3 minutes, normalement on aura tous progressé aussi. Ouais, mais là ça va bosser les relais qu'on va prendre, on va être plus tranquille dans les relais. Mais ouais, comme tu dis, ça aurait été bien efficace avant. Quoique la séance qu'on a fait la semaine dernière de 30 secondes, elle était bien efficace quand même normalement. Pour ceux qui ont bien géré la récup. Pour ceux qui font la cocorico demain, bah désolé pour vous, mais 80% des bénéfices vont être perdus. Pour les autres, vous allez progresser. Ouais, rien, ou tranquille, ou une petite marche. Mais essayez vraiment d'y aller cool demain. Ouais, si tu joues contre ton fils de 5 ans, ça peut le faire. Alors ça va bosser des muscles un petit peu différents, si tu fais un footing léger ça devrait passer. Mais fais pas une séance d'intervalle ou de fractionné. Un jour sur 3 ou 4 c'est mieux. Mais ouais si tu fais que ça, tu vas bien voir la différence ouais. Bah c'est Julien Duhamel. Z2 en fait ça va te permettre d'avoir plein de mitochondries dans ton corps et quand tu vas faire des efforts légers ton cœur il va être plus bas. Même la nuit ton cœur il sera plus bas. Et en fait c'est pour ça que les pros ils font ça pendant 3 mois, comme ça ils ont une super caisse, ils sont super forts sur des efforts très longs. Ils vont bien utiliser tout ce qui est lipides. Par contre après bah, ils sont obligés de faire des intensités pour être bons dans les bosses quoi. Mais pour tous ceux qui font de l'ultra distance, ça sert pas à grand chose de faire des séances intenses ou alors une toutes les 2 semaines. Mais la Z2 par contre à outrance c'est très bien. Voir un peu de sweet spot pour ceux qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner beaucoup la semaine. Bon sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes paroles ça va être l'heure de s'offrir. No way.
Laurent. Yes, Laurent. Super Laurent. Énorme Laurent. Bonjour Christophe. Ouais. Et il en avait gardé sous la pédale, le coquin. Ah. Allez, mec, bravo. Ah. Énorme. Bravo. Allez Florent. Allez les gars. Non, non, en fait, il t'affiche les PR à chaque tour. C'est le classement du tour maintenant. Ouais. Oh putain, j'ai plus rien du tout. Allez, Chris. Oh putain, j'ai mal aux épaules. Ah. On va encore avoir une NP de malade sur cette séance.
Bon, le meet-up sera terminé avant les prochaines bosses, mais pour ceux qui ont de la force, n'hésitez pas à faire deux dernières montées. De quoi? Ah, j'entends rien. Ouais. Moi, je fais la quatrième, ouais. Avec ce qui va rester dans le corps, mais... Autant se vider jusqu'au bout. Allez, allez. C'est Christophe, ça. Hey, Christophe. Jusqu'en haut, allez, allez. Si on rigole pas, c'est qu'on a plus assez de glycogène pour pousser jusqu'aux mâchoires. C'est ça. Oula. Ça fait combien de kilomètres, Thomas? Oh, ça fait presque du 20 à l'heure hein, pour aujourd'hui. On se croirait dans le Ventoux. C'est vrai. On la fera, mais plus dans le meet-up. On pourra montrer. On montrera au monde entier le maillot et la violence des montées. D'ailleurs, à mon avis, Florent, donc qui c'est qui a fait le meilleur temps, Alban ou Florent? Vous allez choper le maillot à poids, je pense. Pas sûr que quelqu'un d'autre ait monté si vite. Oh, ça pousse ça, Vincent, allez, allez. Jusqu'en haut, hein. Allez, allez. T'as les roues pleines là, les DT suisses. Ah, c'est tout. Putain, toi qui roules tout le temps, comment ça se fait là? D'ailleurs, c'est une course anti-sandbagger demain. À la coco, avec la montée finale là. Bah, t'as l'épicom à la fin. C'est bien pour passer C là. Ou B pour toi, Thomas. Oh, bah, c'est bon, tu peux la faire.
Toi, t'as rien fait aujourd'hui, Thomas, tu vas pouvoir la faire à fond demain. Je compte sur toi. Hein. Ah. Ben bon, ça peut être un bon test pour voir ce que ça vaut sur 20 minutes. Hein. Maintenant que t'as plus besoin de te limiter. Ouais, tu pourras faire mieux avec un peu plus de repos, c'est sûr. Crit, c'est pas mal aussi, ouais. C'est là où j'avais fait mon record, moi. Ouais. En fait, ouais, sur 20 minutes, sur un effort constant, je suis pas très bon. Par contre, vu que je suis puncher, avec le crit, ça me réussit bien. Du coup, le test FTP, faudrait que je fasse comme ça. Je fais un petit 20 secondes PMA toutes les 3 minutes et c'est bon. Ah, faut faire plus de tours, faut faire 12 tours, moi. Bon, Laurent, t'es chaud, tu fais encore mieux. Ouais, le dernier, tu t'es bien donné aussi, hein. Ah, j'aimerais bien, hein. C'est pas une question de vouloir, là. Ah, on n'y sera pas, non, je pense pas. Au pied du com, à mon avis, on va faire fin de meet-up. C'est bon signe, c'est que t'as bien donné jusque là. En fait, en peloton, c'est assez facile à gérer. En peloton, c'est facile à gérer, je trouve. Par contre, quand on n'est pas beaucoup, effectivement, c'est plus dur. Ouais. Ça, par contre, c'est mieux. Le fait que tu passes devant, je trouve. Ça va être plus beau, on va pas secouer de droite à gauche tout le long. Qui c'est qui tente d'échapper, Florent? Ah, Florent, il veut pas. Il est cuit. On fait le dernier, Florent, là, si jamais t'as envie d'étaler les jambes. Ah, ouais, bah, tout pareil, hein. 1 minute. Oh putain, le salaud. Bon, c'est beau quand même. Bon. Ouais, qui a le com, Thomas?
Comment il se... Ah, ah non, je sais pas, j'ai sprint là. Ah. Ah ouais, vu que ça garde une heure sur... Quand t'es pas en meet-up, ça garde une heure, je crois. Popopo, Laurent. Une, c'est Pemadzi. Ouais, ça sent le fake, ça. Ah non, c'est pas les premiers temps. Une 10 pour Alban. C'est nos derniers temps du tour. J'ai l'impression. Oh putain, j'ai vraiment plus rien. Oh! Ah! Allez les gars derrière, lâchez rien. Oh, il en reste un là. Ouais. Ouais. Moi j'enchaîne, ouais. Allez go. Non. Yes, 28. Allez. Ciao. Ciao.